Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait longtemps. En plus, vous êtes en mode tanga, ça bouge. Là, je suis en train d'aller au boulot, c'est ça que j'ai mon veston de travail ensemble. Qui c'est à Bruno, représente RPZ. Mais non, voilà, petite vidéo update. Pour les Français ou les Belges, ça veut dire quoi update? Ça veut dire mise à jour, quoi. Petite vidéo mise à jour. Rien de spécial, juste pour vous dire, ben, je suis toujours à Ski Saint-Bruno. J'aime vraiment bien ce que je fais là-bas. Je suis toujours superviseur des opérations. Pour ceux qui veulent plus de détails, venez me parler en privé. Ce sera avec plaisir que je vais vous expliquer ce que je fais. 2 mois que j'ai plus rien posté, qu'on n'a plus rien posté sur YouTube. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a eu une pause comme ça. J'ai beaucoup travaillé, je pense qu'il y a ça, ouais, j'ai fait beaucoup d'heures ces derniers temps au travail, un peu fatigué, dur de trouver le rythme. Et voilà, ici j'ai envie de reprendre ça, mais plus sérieusement, parce que je passe énormément de mes temps libres sur YouTube, j'aime vraiment bien ça. Je regarde énormément de choses, je regarde du gaming, je regarde de tout, j'apprends des choses aussi, des reportages, vraiment tout. Je pense que YouTube c'est l'avenir. Et voilà, je prends énormément de plaisir à regarder YouTube et je prenais énormément de plaisir aussi à tourner des petites vidéos qu'on faisait. Mais ici, j'ai envie de faire d'autres choses. Toute ma vie, j'ai aimé faire rire les gens, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma famille. J'ai toujours aimé faire rire les gens et j'adore rigoler. Et je pense que je vais me diriger là-dedans. Genre des bêtises, je sais pas, j'ai envie de commencer avec des genres de canulars téléphoniques, téléphoner à des hôtels, raconter des bêtises et essayer de vous faire kiffer. Donc voilà, petite vidéo comme ça à chaud. Et même s'il fait froid, et je vous l'avoue, on a vécu ici à un ressenti moins 35 exactement. Ben, c'était la première fois, ça pique aux joues, ça pique au nez, ça pique un peu partout. Bon, désolé, là ça pique à vos yeux parce que ça bouge dans tous les sens. La caméra est posée sur le pick-up là, sur le capot, on dirait pas, hein. Non je rigole. Elle est posée au-dessus de la radio, mais à chaque coup, ça vibre, quoi. Je suis désolé, hein. On va très bien, Julie aussi va très bien. Comme je vous disais, comme j'ai envie de faire du YouTube, Julie va intervenir aussi dans des vidéos. Mais c'est comme si c'est moi qui allais reprendre la chaîne. Bien que c'est moi qui faisais tous les montages, qui filmait aussi, mais Julie était toujours présent parce qu'on avait envie de faire ça à deux. Mais voilà, on en a discuté et moi j'ai vraiment envie que ce soit plus voilà, pour nous, pour moi, pour il, pour elle. Donc voilà, en somme, la petite histoire, rien d'autre de spécial à dire. Mon cerveau tourne assez vite comme tu peux le voir. Il y aura pas mal de tournage en somme, mais ouais, je regardais aussi pour m'acheter. Oh, reviens! Je regardais aussi pour m'acheter un ordinateur. Ouais, petite parenthèse. Donc, je disais que j'aimais bien le gaming aussi. J'ai une PS4 pour ceux que ça intéresse. J'ai une PlayStation 4. Je me suis acheté ici récemment une Nintendo Switch. Je joue à Super Smash Bros. Je vais y arriver. Et alors, j'ai regardé pour m'acheter un ordinateur, parce que j'aimerais bien quand même jouer sur PC, mais c'est quand même vraiment cher. Donc on va voir, ce sera pas pour tout de suite du tout. Celui que je veux, genre avec les taxes, tout compris, la tour, l'écran, le clavier, la souris, et encore c'est pas le plus cher, on est à un gros 3000$. Voilà, on va voir, je vais pas acheter ça tout de suite, mais j'ai essayé de faire des vidéos avec mon ordinateur que j'ai actuellement, c'est un MacBook Pro, mais j'essaie d'utiliser des programmes pour enregistrer ce que je vois, donc ce qui enregistre l'écran, mais il rame vraiment fort, j'arrive vraiment pas à surfer sur internet et enregistrer ce que je regarde. Donc en somme, je suis en train de me mettre des objectifs qu'il faut et je vais les suivre. Il y a au moins un jour semaine où je dois faire un tournage de quelque chose, mais quelque chose de bien, d'un peu étudié, pas une bête vidéo comme ça. Je dois écrire un minimum et vraiment essayer de venir vous faire
vous faire vous divertir, c'est ça. Je cherche mes mots. Aussi, autre chose, on a été voir un avocat aussi en immigration parce qu'on se posait énormément de questions. On sait trouver les réponses sur Internet, sur des forums, sur des groupes, sur Facebook, mais personnellement, je trouve que c'est mal fait. Il y a trop d'informations et moi, je comprends pas quand il y a trop d'informations qui se croisent là. Je préfère être sûr par une personne authentifiée, authenticité en fond. Mais non, ben voilà, on a payé un avocat, on a été voir et on sait la route qu'on doit prendre pour notre résidence permanente. Ça va pas être de tout repos, ça va coûter de l'argent, ça c'est pas si grave que ça. Mais ça va être du stress à mon avis au niveau des papiers, des durées, etc. Si vous voulez plus d'infos, je peux aussi vous expliquer comment ça s'est passé avec l'avocate. Mais c'est ça. Rien d'autre de spécial à vous dire les loulous, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais je pense pas parce que même moi si je regarde une vidéo comme ça, je trouverais ça à chier. Mais c'est juste pour me relancer, pour me remettre un peu dans le bain des vidéos. Et moi je vais essayer de vous faire kiffer avec d'autres vidéos et des choses un peu cool comme ça. Et voilà, c'est tout, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci beaucoup de m'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un like, ça peut m'aider. À vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Je vous promets des choses assez spéciales en somme. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bye bye, moi je vais travailler. J'ai fait 13h, 23h. Merci, bonsoir et bim bam.